Et donc, salut tout le monde, c'est Rambo Enrich, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme promis, ça va être la présentation de mon Panzerzug. Donc à la base, j'avais juste fait le train, donc blindé dans son ensemble, puis je me suis dit que faire une petite mock pour le présenter, t'es la bienvenue. Donc voilà la mock. Donc les Panzerzug, ils ont surtout été utilisés sur le front de l'Est. Donc c'est des trains blindés allemands pour ramener notamment du matériel, de la nourriture sur le front. Donc il est motorisé avec le moteur juste ici. Donc voilà, il fonctionne. Moi je vais pas le faire fonctionner parce que les rails permettent pas de le faire, mais. Donc il est en trois parties parce que sinon il était trop long, donc j'ai fait deux côtés de rail. Voilà, animé avec des personnages, des caisses de matériel. On a des soldats allemands. Donc ici on a une présentation un peu de la création. Donc on a une antenne. Juste en dessous on a un bras pour ravitailler en eau. Moi, qui tourne. Avec juste à côté donc la pompe qui est alimentée donc par un générateur. Juste à côté, on a une grue pour charger le matos. Le Panzerzug, il est équipé de plusieurs canons anti-aériens. Donc pareil, qui sont. Hop, si je prends le personnage, ça va pas le faire. Il tourne. Au milieu, on a un wagon qui transporte un 251. Kraftwerk allemand. Voilà, j'ai essayé de mettre de l'éclairage, de petits lampadaires, histoire de dire que. Donc, je suis très content de moi parce que j'avais jamais fait de. Je n'étais jamais intéressé au train en particulier sur ma chaîne. J'avais jamais fait de trucs comme ça. Et donc, avec l'acquisition de rails et de pas mal de matériel, j'ai réussi à faire un truc assez. C'est stylé, je trouve. Donc voilà pour ce qui est de ma deuxième création, beaucoup plus petite que la première, mais qui rend plutôt bien et réalisée, je trouve, assez rapidement. Donc voilà, c'était Rambo Enrich. J'espère que cette petite présentation de ma seconde mock vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like.